un message sur Google Earth. Directement à la porte. Très bon résultat, puisque j'ai mis en place un système rapide là, pour mes déplacements, qu'il faut démonter tous les jours, remonter tous les jours. Le temps que c'est pas fini de clôturer, je peux rien laisser sur place. Et ça, ce sera l'occasion d'un autre QSO, puis d'un autre message par mail. Donc, tu m'envoies un petit mail avec ta station là, actuelle, que je voie un peu la gauche qu'il a, ton petit ampli, parce que franchement, c'est une audio merveilleuse, hein. Ne touche à rien, tes réglages sont bien faits, c'est fantastique, ça fonctionne très bien. Et quand tu seras pour partir visiter ce fameux pénitencier, eh bien la veille, tu me passes un petit message, et puis on essaiera avec une fréquence, et on essaiera d'établir contact dans GPSL. Il y en a 50, hein, c'est AEI Marine, donc c'est le site de suivi en temps réel, puisque c'est le site que je voulais te proposer pour veiller l'hernium, là, qui est basé sur le port de la Palice, qui est basé sur l'ancienne base des U-boats allemands, là, tu sais, pendant la guerre, ils avaient fait des abris pour les U-boats, et donc l'hernium, cette belle frégate de 65 mètres, là, est parquée là-bas pour de l'entretien avant le grand départ. Hein. Voilà, si tu peux me revenir avec le nom de ton voilier, 12 mètres, je confirme, c'est l'idéal. Hein. 12 mètres, c'est l'idéal pour faire des grandes distances. Vu que j'ai un copain sur La Rochelle à l'époque où on faisait du voilier, lui, il a été jusque dans les Antilles, enfin, tu vois, et ça lui faisait pas peur avec un 12 mètres. Hein. Honnêtement, hein, c'est un super bon marin, mais malheureusement, j'ai perdu sa trace. Il a été déçu suite au décès d'un de nos amis communs, à Lima Alpha en plus, tu vois, 934, le pauvre petit père Alain. Et du jour au lendemain, il a tout vendu, la maison et tout, il a revendu son 12 mètres, il a acheté un catamaran, et il a mis les voiles, voilà, il s'est perdu dans sa tête, là, puisqu'on a été vraiment choqués de cette disparition. Ok. Pas du tout sur la même longueur d'onde à l'écoute là. D'accord, donc à l'heure actuelle il est équipé repérage satellite, on est bien d'accord. Ce que je connais moi, il y a un essai sur quelques temps, après c'est payant. Alors, je vais regarder quel est le système qu'ils ont mis sur l'hernium, hein, quand même. Hein, puisque moi je localise bien les bateaux en temps réel. Donc on a les bateaux pilotes là sur l'entrée de la Palice, on a le dragueur de vase. Et puis bien sûr, après à côté sur ta gauche, tu as tout un tas de filtres pour enlever les bateaux citernes, pour remettre les bateaux citernes, pour enlever les voiliers, les remettre, enfin toi. Tu as quand même une quantité incroyable de filtres pour essayer de canaliser au plus juste ben, soit les plaisances, soit les bateaux marchands, et ainsi de suite. Alors, parce que doit pas y avoir 50 systèmes quand même. Hein. Ok, bah écoute, j'attends ton lien. Déjà, je vais taper le nom de ton bateau pour voir si on peut le repérer là sur la Corse. Et puis voilà, il doit apparaître de couleur violette rose, hein, normalement, les bateaux de plaisance. À toi.
site que je connais ou pas, ça fera un lien de plus. Hein. Je suis très friand de liens, moi. Et puis, comme ça, on pourra suivre ta route avec plaisir. Parce que là, je me prépare à suivre la route là, de l'Hermium qui vient dans notre direction pour faire escale, mais ça, ce sera en 2015. Hein. Là, ils en sont à titre expérimental, puisqu'ils ont mis des propulseurs quand même motorisés. Ils ont mis des moteurs pour la sécurité. Autrement, il fera le voyage à la voile, hein. Donc le fameux Hermium qui était l'équivalent d'une grosse frégate. Hein. Et donc ils font escale à Santa Cruz. Alors ça va être merveilleux. Et après, ils prennent la direction des Amériques pour le suivi des Alizés, hein, ni plus ni moins, hein, puisque c'était la route maritime. C'est la route maritime la plus connue pour aller sur les Amériques. Voilà, et c'est sûrement la route que tu feras un jour si tu viens nous voir en bateau, puisque c'est la plus directe. Le tour du monde, il n'y a eu qu'un skipper qui est passé entre le Maroc et les îles. C'était le skipper espagnol qui représentait une marque de je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il représentait comme marque. Et lui, bon, malheureusement pour lui, c'était pas la meilleure des routes. Hein. La meilleure des routes, c'était au large des Canaries, entre Madère et les Canaries. Ça, c'était la meilleure des routes, là, pour faire le tour du monde, puisqu'on avait aussi à l'époque un forum où on pouvait suivre les participants à cette course autour du monde. Hein. C'était bien, bien sympathique et très, très sérieux et très régulier. Voilà, Ange. Allez, je te laisse. On reprend contact quand tu seras maritime mobile, hein, et tu m'indiqueras la fréquence sur laquelle tu jouais le mieux de ton antenne, et puis on essaiera de prendre contact par la BLU, ok? Break pour 14 Oscar Delta Romeo 002 Sud-Ouest de France. Enregistré. Merci. Ok, bah dis donc, pile poil, hein, la pompage a chuté de ton côté. Merci, à bientôt, Ange, et puis bonne continuation. Oui, Sud-Ouest de France, bonjour, Lima Alpha 937, Michel, Tenerife. J'étais en compagnie de Ange sur la Corse. Je vous retourne le micro. Que je n'ai pas du tout entendu. Les bonnes 13-51 à vous de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, Sud-Ouest France, non pas très loin de Saint-Émilion. Ok, Denis, bah, ça passe bien, ça marche bien, oui, bah, la propagation elle tourne, hein, donc, et puis voilà, bon, il y a des endroits plus ou moins faciles. Ok, bah, ça passe bien, Saint-Émilion, quelques encablures de Saint-Émilion, bien réputé pour son vin, oui, ça serait pas mal, hein, tiens, un petit passe-route au Saint-Émilion, pourquoi pas. Merci Denis de ce petit coucou, désolé, mais là j'ai un petit rendez-vous là, avec un OM, et je voudrais pas le faire attendre plus longtemps, puisque ça fait au moins une demi-heure, plus d'une heure même, que je dois le récupérer. Donc je vais voir s'il a mis en route son poste, et puis établir un contact pour la modification de son petit transceiver à distance. Merci Denis, en tout cas vous passez très bien ici, Santiago 9, et signal et audio de 5, hein, sans problème. Ok, pour le prénom c'est Rémi, Romeo, Echo, Mike, Yankee, mais bon c'est pas grave, peu importe, c'est moi quand même. Ok, ben c'est bien dommage, j'aurais bien aimé discuter un peu plus longtemps avec vous. Donc les bonnes 73-51 à vous, content d'avoir eu Tenerife, et peut-être à bientôt, au plaisir de vous voir sur internet, car d'après ce que j'ai compris, vous faites aussi des vidéos, vous avez un site, quelque chose. Non, j'ai pas de site particulier. Hein. Bon, il y a quelques OM qui ont enregistré un peu les QSO. Bon, déjà, voilà quoi, donc c'est en fonction des OM qui enregistrent, après qui rediffusent sur YouTube. Non, mais là c'est du suivi de bateau là qu'on est en train de faire, des suivis de maritime mobile sur des sites bien précis, avec le nom du bateau, les transpondeurs qui correspondent, et voilà quoi. Hein. Ok, Sud-Ouest. Mais je suis souvent en fréquence, hein. Moi ça fait 3 ans déjà d'occupation sur l'île de Tenerife. Puis toujours le micro quasiment à la main tous les jours. Donc c'est la fréquence où je me refuge, puisque l'antenne fonctionne bien. Et voilà quoi Rémi, hein, il n'y a pas de souci particulier. Hein.
Voilà, 73 à vous, Tenerife, pour situer, c'est l'aéroport sud, hein, voilà, si vous prenez la carte, à quelques encablures de l'aéroport sud de Tenerife. Et avec aujourd'hui, des petits nuages, mais un très beau ciel bleu, là, voilà. Et température, comme d'habitude, entre, 26 degrés, hein, 26 degrés. Puis il faudrait que ça se limite à ça, ça fait du bien, un petit peu de fraîcheur. Merci Rémi, 73, à bientôt. Ok, merci. Donc, vous prenez le micro entre deux pizzas. Hachi, je suis un petit peu vos QSO. Ok, je vous laisse les bonnes 73-51 à vous. Bonne journée. Pour ma part, sur le sud-ouest, c'est toujours un beau soleil. La température encore un petit peu fraîche. Ok, je vous laisse les bonnes 73 à vous de 14 Oscar Delta Romeo 002 qui passe en QRT. Merci. Ok, Rémi. Oui, un petit coucou là sur Limoges. Limoges, je vous ai oublié, enfin, franchement désolé, vu que c'est le berceau de mon indicatif, est-ce que vous êtes toujours là? Pas du tout, hein. Et vraiment des très très petites brises, hein, en tout cas. Merci en tout cas, hein, c'est gentil. Oui, Christophe, la frontière franco-suisse, Christophe, mobile, mobile, es-tu à l'écoute?